Vous avez vu, on est en 4K. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous dire que tous les dimanches soirs à 21h, je suis sur Twitch en live. Tous les dimanches à 21h. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch également, parce que c'est là-bas que je donne toutes les informations. Sur Instagram. 500 sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord également si vous êtes intéressé. Nous sommes plus de 500, on est 500 environ, c'est énorme. Donc merci beaucoup, merci beaucoup, 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 beaucoup. Et dernière chose, si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à passer par le lien Tipeee, parce que transparent avec vous, Tipeee prend un plus petit pourcentage que YouTube, ce qui fait que l'argent que vous m'envoyez, c'est beaucoup plus du soutien que YouTube. YouTube, il y a 50% qui part pour eux et 50% qui vient. Donc si par exemple vous me faites un don de 10 euros, et ben je touche que 5 euros. Que 5 euros, c'est déjà énorme. Voilà, bien sûr, ça ne change pas que ça n'a rien d'obligatoire et que vous avez tous et toutes la même valeur. Je tenais à remercier Issa qui m'a encore fait un gros don sur Tipeee. Donc merci beaucoup. Et merci à tous les donateurs qui sont déjà, qui me soutiennent déjà là-bas. Voilà. Bien. Vous avez bien vu que cette vidéo était en 4K. Alors je sais pas ce que ça va donner en termes de revenu final. C'est du 4K mais 25 images par seconde. Donc ce n'est pas du 60. Sur l'ancien format, le format un petit peu plus cinéma. Au cinéma, c'est entre du 25 et du 24 images par seconde. Donc voilà, là c'est à peu près pareil. Donc on verra ce que ça donne, on verra quelle est la qualité. On verra si vous aimez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la qualité de l'image et de la qualité sonore, parce que je pense que je donne le plus possible pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et d'ailleurs, dès que possible, j'investirai dans des nouveaux micros. Quand j'ai parlé de la lumière, c'est drôle. Eh bien, certains m'ont dit, non mais ta lumière est incroyable, en revanche, tes micros sont un petit peu éclatés au sol. Non, personne ne me l'a dit comme ça. C'était drôle. Non, ta lumière est bien. En revanche, tes micros sont pas terribles. Tu pourras les changer. Je le prends absolument pas mal. Mais du coup, c'est marrant parce que ma lumière, c'est vraiment un... C'est vraiment deux spots entrée de gamme. Deux spots de base. En revanche, les micros sont des... Rode M100. Une ancienne vidéo que AS Minotaur avait les KM 184, mais
Sur la face verte. C'est un petit peu spécial, c'est-à-dire que on va juste on,
pensais que ça allait être vite fait et qu'on allait pouvoir continuer à faire de la modulation de voix en ASMR intense. Oh bah tiens. Voilà, ça arrive avec le Pyramix d'avoir des gros coups de chance. Ça arrive avec tous les Rubik's Cube actuellement, pour être honnête. Mais beaucoup plus avec le Pyramix. Bien. Voilà, voilà. Assez parlé. Désormais, nous allons partir sur la modulation de voix un petit peu plus intense et essayer de vous relaxer. Sensation extrêmement agréable. Je crois que je pourrais tout le temps m'endormir avec la pluie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai fait une vidéo. Je sais pas comment dire, mais dès qu'on fait une vidéo ASMR intense, je ressens cette détente, ce bien-être, comme si, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis tellement content de pouvoir proposer des vidéos ASMR. Situation qu'on reconnaît les gens qui ont vraiment envie. Des gens qui, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ça arrive. C'est très dur. Même si on a déjà ressenti ce genre de vide. Ça prend du temps.
c'est difficile. Mais on y arrive. Et ce sera toujours normal. Parce que on est fait ainsi. On est créé pour ça. Pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les émotions font partie intégrante de l'humanité. C'est pour ça. S'adapter, c'est ça aussi. Tout est lié en réalité. Et les émotions, c'est pareil. Si aujourd'hui tu te sens triste, ça ne veut pas dire que demain tu seras pas joyeux. Ça peut vouloir dire que demain tu seras joyeux et qu'après-demain tu seras triste de nouveau. C'est possible. Soupçonné. Part du principe que tu ne sais rien. Ça paraît futile. On peut se dire que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, j'ai arrêté la modulation de voix. On peut se dire que ça n'a aucun sens, mais en réalité, partir du principe qu'on ne sait rien, c'est justement s'ouvrir à toutes les possibilités. Je suis arrivé en face de personnes qui en savaient 100 fois plus que moi. Si c'est pas beaucoup plus que 100 fois plus. Genre je savais peut-être 1% de ce qu'ils savaient. Moi j'en sais rien en réalité, mais peut-être pas quand même. Mais en tout cas, je pensais savoir des choses. Et je suis arrivé là, j'étais en mode, en fait je sais rien du tout. Et ça fait mal à l'ego. Ça fait des années que j'ai appris ça. Je sais beaucoup de choses. Non, en fait, je ne sais rien du tout. Rien du tout. Et on ne saura jamais rien du tout. On a beau apprendre, on continue d'apprendre, on sait de plus en plus de choses, mais on ne saura toujours rien proportionnellement à d'autres dans d'autres domaines, par exemple. Alors oui, si on prend cinéma par exemple, je connais peut-être plus de choses que toi par exemple.
choses, j'en sais rien.